Bonjour tout le monde. Alors, hier commençait la semaine de l'unité des chrétiens qui va du 18 au 25 janvier. Et on a tenté, notre petit comité d'interconfessionnel, de se partager les 8 jours de la semaine. Finalement, on s'est rendu à 3. On va mettre certaines propositions de sites web, que ce soit le Centre canadien d'œcuménisme, le Réseau des Églises vertes, la communauté de Grand Champ, plusieurs communautés ou lieux qui travaillent à l'unité des chrétiens pendant toute l'année et qui malheureusement passent trop souvent sous silence. Alors, on va essayer de leur faire une petite place sur notre page Facebook. Alors, le thème qui m'était proposé pour cette journée était mûrir intérieurement. Avec le verset « Demeurez en moi comme je demeure en vous ». Alors, sans plus entendre, mon commentaire a été une première réflexion sur le fait que dans l'Évangile, on nous parle souvent de semer, on nous parle souvent de la récolte, on nous parle moins fréquemment du mûrissement. Et je me disais, il y a quelque chose de logique là-dedans. Parce que souvent, le fait de semer l'Évangile, semer la parole, il y a quelque chose d'exaltant là-dedans qui est proposé, que ce soit pour les intervenants pastoraux, que ce soit pour les disciples missionnaires, que ce soit pour n'importe quel témoin du Christ. Semer l'Évangile, c'est quelque chose qui est interpellant. Parce que souvent, ben, on l'a reçu avant de vouloir le donner. Alors, il y a quelque chose qui nous parle. Récolter, ben, n'importe qui travaille dans le ministère pastoral, ben, il sait que parfois les fruits peuvent être rares et le fait de, quand on a la chance de goûter des fruits, ben, on en profite pleinement. Entre les deux, ben, il y a cette période-là du mûrissement. Spontanément, j'avais le verset « Grain de blé qui ne meurt ne peut germer, ne germera pas ». Et dans le fond, il y a quelque chose de ça dans le mûrissement. Il y a quelque chose d'une mort à soi pour accueillir le Christ, pour accueillir la vie nouvelle. Et ben ça, c'est un défi. Puis c'est pas toujours dans l'exaltation. Tu sais, on prend l'expression mourir à soi, c'est pas parce que c'est une grande joie. Donc il y a quelque chose qui est de l'ordre, peut-être d'un combat, néanmoins d'un travail sur soi. Donc le mûrissement, comme une espèce d'état. Et je trouvais que le verset était bien choisi parce que le Christ qui demeure en nous et nous qui demeurons en lui. Et je trouve que quelque chose de cette, je vais prendre le mot dualité, dans le mûrissement qui est nécessaire pour nous les chrétiens. Je m'explique, on a besoin que Christ demeure en nous. Comment on le fait habiter chez nous? Comment on lui donne une place? Ben, selon notre confession chrétienne, ça va être bon, dans l'action, dans le fait de se côtoyer les Écritures, ça va être éventuellement par les rites. Alors, selon notre tradition, on va se trouver des moyens pour que Christ demeure en nous. Il y a l'inverse. Nous avons à demeurer en lui. Et là, on pourrait l'interpréter de bien des manières. Moi, spontanément, j'avais le goût de dire demeurer en lui. Je ne sais pas si c'est le cas dans toutes les églises, mais nous, on parle beaucoup de l'église comme le corps du Christ. Et je trouvais qu'il y avait quelque chose de ça. Pour pouvoir mûrir dans ma foi, j'ai besoin de l'Église. Et là, au sens le plus large possible, j'ai besoin du peuple de Dieu. En Europe, il y avait toujours une expression que j'aimais beaucoup, un chrétien seul est un chrétien en danger. Et je crois que c'est vrai parce que on a besoin de l'autre, de la correction fraternelle, du soutien fraternel. On a besoin de réfléchir ensemble, j'allais prendre l'expression de se coltailler ensemble parce que c'est trop facile de penser qu'on a compris Dieu et que on l'a pour toujours, alors que le Dieu des Écritures, il est subtil, il échappe un peu à notre compréhension. Il est celui qui s'est rendu présent en Christ, mais il est aussi cet tout autre qui est d'une complexité incroyable. Alors, le fait d'être entre nous, entre chrétiens, bien, ça nous permet de bien saisir qu'il y a quelque chose de Dieu que l'on saisit et quelque chose de Dieu qui nous échappe et dont notre frère a saisi quelque chose. Alors, mais
dans le mûrissement, on a besoin de l'Église. Besoin de l'Église qui va nous instruire, qui va nous proposer des rites, qui va nous proposer des lieux d'action. Donc, la façon dont on le reçoit à l'intérieur de nous, ben, c'est aussi en demeurant en lui qu'on le reçoit. Alors, je ne sais pas si c'est bien expliqué, mais je pense qu'il y a quelque chose vraiment de cette dualité. Je trouvais qu'il y avait un lien aussi à faire avec l'unité des chrétiens, parce que l'unité des chrétiens dans l'ensemble du monde pastoral, c'est quelque chose qui est facile à oublier. On est tous impliqués dans nos églises. Je ne vous connais pas, mais si vous prenez le temps de m'écouter après 5 minutes 45, c'est que vous êtes certainement impliqués en église ou dans votre foi. Et où je veux en venir, c'est que vous êtes impliqués et que c'est facile d'avoir déjà mille et une bonnes raisons de faire autre chose que de vous impliquer pour l'unité des chrétiens. Alors, je trouve qu'il y a cette même dualité où est-ce qu'il faut à la fois garder et essayer d'approfondir, faire mûrir ce désir d'unité en notre cœur, et en même temps peut-être se donner des outils, se donner des lieux pour pratiquer le dialogue et l'unité des chrétiens. Spontanément, il y a des communautés, le Chemin Neuf, la communauté de Grand Champ, mais il y a aussi des mouvements. Je pense, admettons, au réseau des Églises vertes qui a fait le choix d'être interconfessionnel. Il y a des centres qui vont proposer des ressources plus intellectuelles, comme le Centre canadien d'œcuménisme. Et il y a des lieux très humbles, comme notre petit groupe de dialogue interconfessionnel ici dans les Basses-Laurentides, mais il y en a certainement d'autres ailleurs. Donc, encore une fois, essayer de mûrir ce désir qui est à l'intérieur de nous, mais en même temps, essayer de se donner des lieux pour pouvoir l'approfondir, se nourrir et ainsi faire mûrir le désir. Cela dit, je vous souhaite une superbe semaine de l'unité des chrétiens. La distance qui nous éloigne n'est certainement pas représentative de la proximité de nos cœurs. Sur ce, je vous souhaite une excellente journée et une bonne semaine de l'unité des chrétiens.